Bonjour mes élèves, deuxième collège, cours de physique, la deuxième partie. La première partie quand se forme du rappel. La deuxième partie, on commence par un exercice d'application. Comme vous voyez ici, on a plusieurs milieux. À vous de les distribuer sur les cases suivantes au tableau, ça veut dire milieu transparent, milieu translucide, milieu opaque. C'est un exercice pour vérifier vos connaissances concernant la première partie. Donc la deuxième partie, premier titre, c'est le principe de propagation rectiligne de la lumière, ça veut dire l'intiqal ou la l'intichal mustaqimi dedans. On commence par une expérience. On place trois plaques en carton muni, chacun un trou entre une lampe et l'œil d'un observateur. Comme vous voyez dans l'image, source S, première plaque, deuxième plaque, troisième plaque et l'œil. Donc l'œil, tout simplement, si les trois trous, les trois head, les trous head, ça veut dire head, les plaques, lorsqu'on sont alignés, il est qu'on aligné, yani de façon rectiligne, mustaqimiyin. Donc la lumière envoyée par la source, elle les reçoit par l'œil directement. Sinon, il est quand tu fais un décalé, donc la lumière va distorser l'œil d'Yana. On a des jurybams. Donc interprétation pour avoir la lumière. Tous les trous, jamais, doivent être alignés avec la lampe et l'œil de l'observateur. Ce signifie que la lumière se propage dans une ligne droite. Yani, les trous, l'image d'Yana. Mais qui connaît les trous, sont alignés, خلاو la lumière 12. Donc il y a mécanos tout simplement la lumière 12. Donc la lumière se propage dans l'air en ligne droite. Conclusion. Alors, le principe qui gouline bianna dans un milieu transparent homogène, si wasat chaffaf ou homogène, la lumière se propage selon une ligne droite. Yani anna ou le principe de ce qu'il faut, yani anna ad-daw ou l'ashia, ad-daw ou l'ashia, tantashir fi wasat chaffaf ou homogène, wifqa khutut mustaqimiyya ou la khat mustaqim. Wadha? Rayon lumineux et faisceau lumineux. Choua d'oui ou l'huzma d'oui. N'bdaou b'choua d'oui. Je dis l'huwaj martaltin b'la lumière. Donc, rayon lumineux, on appelle rayon lumineux tous les trajectoires ou bien toute trajectoire rectiligne suivie par la lumière. Yani, jamais l'chotot li kimchi wifqaha wahd l'rayon ou la wahd choua lumineux. Kansimiouha rayon tout simplement. Donc, on appelle un rayon lumineux toute trajectoire rectiligne suivie par la lumière. Jani, le masarat, le kimchi fait ado, kansimiouha rayon tout simplement. Had rayon hada, on doit le donner un symbole ou on a presque un symbole, un schéma simplifié. Alors, on représente un rayon lumineux par une droite munie d'une flèche qui m'a qu'à chouvou naya haya droite canato et khat tout simplement ou darour icône avec un flèche qui indique le sens de propagation yani manhal intichar wach ghadi min l'essar wach ghadi min l'essar li men qui m'a qu'à chouvoua ou hna kandour ali daba ad flèche ou qui indique il y a le sens de propagation. Donc les rayons, tout simplement, on a un symbole d'iel, khtota, ou avec un flèche qui indique le sens de propagation. Deuxièmement,
faisceau lumineuse, on a faisceau convergent, faisceau divergent, faisceau parallèle. Vous savez, les faisceaux, c'est l'ensemble des rayons, tout simplement. Si il a un rayon qui est une droite, il a plusieurs droites, il a bzef des droites, bzef des rayons, bzef kamil qui faisceau lumineux, yani huzma dawiya. Alors, on distingue entre trois faisceaux lumineux. Faisceau convergent, yani les rayons katjma, les rayons lumineux غاديين كيتجمعوا ليا كما كتشوفوا هنايا في البروميير ايماج ها هما هاد لي فلاش كي انديك لو سونس دو بروباغاسيون كلهم غاديين لنقطه واحده اللي هي هادي فيسو ديفيرجونت فيسو ديفيرجونت كما كتشوفوا شوفوا ال ال الفلاش كي انديك لو سونس دو بروباغاسيون راهما غاديين كيتباعدوا دونك كاندي اون دي كو لو فيسو اي ديفيرجونت ان الفيسو باراليل طبعا هذا راه ساهل الفيسو باراليل لوغسكون لي دروات او بيان لي رايون لومينوز سون باراليل اونتر او اكزيرسيس دابليكاسيون كون فوي سي اون ا بليزيور ايماج افو دو ديستينغي اونتر لي تروا فيسو كون ا فيو Voilà la correction. Faisceau convergente, faisceau convergente, faisceau convergente aussi. LH, tout simplement, head, les flèches qui indiquent la propagation de la lumière, Coulomb radine qui jume vers un seul point. Un faisceau parallèle, Wadha, faisceau divergente, faisceau divergent. La vitesse de propagation de la lumière, je préfère à de la partie à la vidéo G, comme ça, l'application de 8 minutes. Merci à vous, merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.